Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire aujourd'hui réponse au petit quiz que j'avais posé en fin d'année 2023 à propos du morceau Despacito. Beaucoup d'entre vous m'avaient répondu un peu toutes sortes de choses. C'est un harmonica en si bémol, en la. Effectivement, j'avais joué ce morceau en la une fois. J'avais utilisé un La et un Sol, donc je remettrai le lien sur l'ancienne vidéo. J'avais pas mis de tablature sur celle-ci, donc là j'avais promis la tablature à la personne qui aurait trouvé de quel harmonica il s'agissait. Vous avez été nombreux à répondre un D, donc le Ré, mais j'avais demandé de bien préciser de quel Ré il s'agissait, et donc beaucoup ont cherché Ré bémol, Ré machin, tout. Mais en fait c'est un Ré qui est accordé dans les graves, ce qui permet de pouvoir jouer ce morceau dans sa tonalité d'origine sans utiliser d'altération. Ce qui vous a induit en erreur, c'est que j'ai fait quelques bends par moment dans le morceau, et donc voilà, vous avez pu penser que j'avais utilisé un La. Voilà, c'était un peu le piège, mais c'est très simple, c'est un harmonica en Ré. Ré grave, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le jouer sur un harmonica Ré normal, mais bon, au niveau de la sonorité, moi je n'aime pas les sons aigus, donc je préfère le jouer là-dessus. Voilà, voilà. Je ne vais pas mettre de micro, allez.
Bon, voilà, ça demande encore quelques répétitions. J'utilise des turlututus, mais en roulant le R. Donc ça, c'est un peu un entraînement. J'ai fait d'autres vidéos où j'explique comment faire un peu ça. Voilà, c'est pour essayer de s'entraîner à faire ça. À faire des espèces de air roulé comme ça sur le souffle. Vous avez l'essentiel pour pouvoir jouer le morceau intégralement. Et je ne vais pas mettre les passages un peu improvisés parce que de toute façon, ça, c'est un peu à chacun de voir ça à sa sauce, quoi. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!